se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, donc c'est parti. Donc juste avant la vidéo, elle a planté. Donc comme je l'avais commencé, on va avancer. Donc je vais vous montrer donc ce que ça, quand ça a bugué, du coup ce que j'ai fait. J'ai vendu John Deere et du coup la Roland pour pouvoir acheter du coup un petit Ignolant T6 125 et une Massenix. Une petite Benoît 3 essieux avec un pick-up de l'état, voilà, juste celui-là, oui, c'est bon. Alors donc aujourd'hui dans cette vidéo on est parti pour faire un petit peu de moisson. Donc c'est parti, donc avec notre petit axial. Alors c'est bon, je vais vous laisser. Hop, nickel. Dans cette vidéo on va du coup moissonner. Et avec l'argent de la moisson, on va du coup acheter les deux champs qui nous manquent. Du coup c'est parti. Hop, tout ça nickel. Si on avait pas acheté deux champs, mais peut-être que ça soit un petit peu plus grand que ce que j'achète des petits, parce que ce que j'achète c'est vraiment un petit peu plus petit. Vraiment une jolie benne, regardez tous les biens, plus effectifs comme ils sont bien faits. Donc ça c'est des, donc c'est ce... bon, ils se branchent mal sur le tracteur. Donc ça c'est des, je crois que c'est pour les tuyaux jaunes et rouges, c'est pour les freins air comprimés je crois. Donc ça veut dire qu'on peut rouler vite. Non, je sais pas, donc ici c'est à deux tailles, mais franchement les rétros qui marchent, je vais les dessiner. Orange, derrière on peut mettre tout plein de trucs, les gyrophares aussi qui sont pas mal. Voilà, on met ça, regardez les gyrophares sur le toit et là. En plus il y a un projet Gantroy, je sais pas si le truc marche mais je ne pense pas. Donc le décide de base, on change pas qu'une petite Massenix. Donc les parents elles vont. C'est pour ce non, on va peut-être mettre un peu plus fort. Donc normalement je pense qu'on va changer pas par un arrière, mais plus tard par un arrière. Que le Renault 751 je vais changer pour un test critique, mais du coup de toute façon on va faire 4 tracteurs au moins si j'ai un test critique. Mais il faut aussi qu'on change du coup la alors donc comme tracteur j'aurais pensé à prendre ce petit Fendt là, celui-ci donc qui est calissé, on peut changer les couleurs, il y a plein de couleurs très joli. Ou un petit le petit Valtra, donc celui-ci donc avec le télégonflage qui marche, donc ça va être bien je pense. Et en plus on peut choisir plein de couleurs aussi, donc je ne sais pas, du coup on peut commenter si vous voulez choisir. Alors ben, du coup les deux, ok, voilà c'est parti. Hop. Ok. J'espère que ça va nous faire beaucoup d'argent. Comme ça, on aura assez de plein de trucs. Donc, c'est parti. Voilà, donc petit accélérateur, le temps que je fasse un petit peu tous les champs. Que j'ai rempli la benne. On se retrouve tout de suite après.
les amis, du coup voilà, donc j'ai fait la première peine, donc j'arrive à la coque pour la livrer, donc avec RS, hop, je ne sais pas combien ça va rapporter, j'espère pas mal d'argent quand même. Ok, voilà, comment ça va le faire, j'espère beaucoup. Et le Valtra, donc les configurations que je voudrais mettre sur l'un et l'autre. Alors donc sur le Faint Mario, donc il coûte 183 donc de base, donc déjà des Michelin, des gros trous comme ça. Alors déjà je peux faire un capot comme ça, voilà, donc ça nous fait deux gyrophares. Alors GPS, non, pas de chargeur avant, on garde ça. Voilà, donc voilà, donc on va le prendre en 714, donc en 157 chevaux, mais par contre je peux le faire en vert un peu plus, voilà, comme ça, donc il nous ferait 185 000 euros, donc comme ça, puis il a lissé. Ou du coup le Valtra, donc qui a le télégonflage et qui est quand même pas mal stylé. Voilà, donc le télégonflage. Est-ce que ça fait ça? Hop, donc en plus il fait 200 chevaux pour le même prix. On va pas lui mettre de fourche. Gyrophare les deux. Alors on met les gyrophares, enfin, les gyrophares comme ça en LED. Non. Non. Boîte à outils, ça peut être bien. Logo de la Kuma. Non. On va mettre le Somac ou pas? Non, je pense pas. Pompe à graisse, elle va où la pompe à graisse? Ah, ok, et quoi? Ah, voilà, non. Le triangle est pas où? Là, derrière, le couleur principal. Je pensais. Non, pas en rouge, comme ça. En rouge, comme ça, je pense qu'il pourrait être pas mal. Donc, ce qui nous fera 181 000 pour 210 chevaux. Donc, je pense qu'il peut être pas mal. Voilà.
Nickel. Ouais, donc je pense qu'on va prendre celui-ci. Là, vous décidez. Télescopique, donc le casque, comme j'ai dit la dernière fois. Parce que il est stylé. Hop, je sais pas ce que ça fait ça. Mais bon. Je pense que ça doit rajouter. Voilà, ça rajoute plusieurs phares. Garage. Et parce que, du coup, le reste, c'est combien on va c'est plus grand chose, mais bon. Allez, let's go. Donc on est le passager. Avance, par contre. Sinon, on va être fini de vider. Alors. Bah, du coup, il y a le mode passager qui sont les modes de base. C'est un mode sur. N'inquiète pas, c'est stylé quand même. Avant, je trouve qu'on a un petit peu trop reculé. Donc on va aller du coup presser un petit peu donc avec le Newland et notre petite presse classe. Alors où est-il? Il est là. Nickel. Hop. C'est parti. Et quand on essaye ce petit Newland. C'est un petit. Nickel. Alors donc j'ai mis des enclos pour les moutons, pour les cochons, pour le défi. Juste que je trouve quand on modifie avec ça, donc il y a ceux-ci. Et alors mince. Ah oui, mince. Allez, c'est ça. Ah, par contre, je vais aller là. Donc, on va tout presser. On va encore attendre un peu. Je pense qu'on va garder tout ce champ-là. Parce que, franchement, je ne prends pas l'utilité de. Ouais, on va tout. Sauf ce champ-là. Ah, mince. Quel petit accéléré en tant que je finisse toute la moisson et tout le pressage et que je rende des potes et j'espère qu'on va avoir beaucoup d'argent pour pouvoir finir les défis et les champs et du coup changer la race peut-être dans cet épisode je ne sais pas mais déjà on va finir les défis des champs obligé dans cet épisode en achetant au moins un qui va être là-bas en haut là-bas dans cette partie. Et un qui sera peut-être deux là-bas dans la partie. Ce sont quand même rentables d'y aller, moi. Hop, nickel. Hop, donc je vais tout accélérer du coup le temps que je finisse tout ça. Et on se retrouve tout de suite après.
ça a coupé, donc vu que j'ai arrêté la vidéo, donc elle a accéléré. Du coup, voilà, donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai acheté le champ 48 et le champ 76. Donc je les ai déjà rassemblés. Voilà, du coup, c'est nickel. Alors, donc, c'est ce qui va être parfaité. Donc voilà, donc, on va finir un petit peu de moisson. Je sais que ça va être une grosse vidéo de moisson. Et voilà, donc pendant le off, je vais tout rassembler, les boîtes là-bas, on va les vendre. Après, on va arriver à plus 751, on va tout pousser dedans. On va faire un petit peu de méthaniseur parce que dans le prochain épisode, je vais remplir le premier méthaniseur. Et voilà, il faut que j'y pense. Voilà. Alors, donc, aussi, donc, du coup, ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a les 10 chances. Donc si dans le champ 2, nous rajouterons les 10 000 € et le méthaniseur. Du coup c'est parti, donc on va mentionner. Alors donc elle est activée. Donc voilà, on a déjà fait la première partie du champ. Nous rajoute cette partie. Mais c'est pas bien parce que j'ai pas encore fait de training. Voilà. Alors du coup c'est nickel. Hop, on va arrêter tout ça. En fait je vais finir de mentionner parce que je pense que vous en avez marre de voir tout un accéléré de mentionner. Donc voilà, on va passer un petit peu donc, avec ce petit P6 qui est dans le centre. C'est parfait. Je vais pas mettre le machin avec le gasoil à l'usine. Hop, nickel. Voilà, vous n'avez pas de CSP. Je crois que je vais remonter puis j'ai un autre petit champ. C'est parti avec notre petit T6. Hop, nickel. Voilà. Le petit T6 125 là. Qui fait plaisir. Voilà. Je pense que je vais tout vendre sauf le champ qu'on vient d'acheter, le 48. Je crois qu'on va garder. Parce que ça fait du rendement. D'après c'est une vraie game, la dernière fois de bot elle va cramer. Hop, nickel. Voilà. Nous dans tous les jours, on va faire un peu de feu là. Voilà, j'espère que je suis prêt. On va épandre du feu, on va faire de la méta. On va faire quelque chose. Voilà, nickel. Hop. Donc j'arrive au bout. Hop, nickel. Hop, hop. Nickel. On va aller presser le petit champ. Nickel. Hop, nickel. Mettre. Hop, on va se mettre là. Hop, bébé. On est un jour encore. Et on va à fond avec le petit T6. Ouais, donc franchement, je ne peux pas m'acheter le DLC du coup. Parce qu'en fait, je le trouve qui sert à rien. En fait, je crois que j'ai assez de. On a assez de mode. Même si en vrai. Les modes sont quand même meilleurs, c'est pas trop simple. Mais là, il y a les bons modes qui sortent, comme les Sagés, les Chazés. Ça, c'est une belle map que je vais pouvoir enfin installer. Je suis sur la console. Voilà. Donc, je vais pouvoir l'installer. Ça va être nickel. Voilà. Hop, du coup, c'est parti. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu la vidéo de deux moissons, donc d'orge que j'ai sorti avec un nouvel 750. Normalement je mets le lien en description comme ça vous allez la voir et on fait un intermède de vue pour 150 comme la dernière, comme celle de l'année dernière, donc jusque dans deux samedis quoi. Jusque pas le lundi, pas le celui avant les grandes vacances, celui de la première semaine des grandes vacances. Donc voilà, nickel, voilà, hop, on se met là. Donc il y aura plein d'autres vidéos donc, sur le blé, l'or, le blé, l'or c'est déjà fait. Le blé, oui, le colza, le soja, le maïs. Parce que là, avec un 750, je peux vous dire que ça va vite. Je crois qu'on est allé jusqu'à 6 km/h avec. Ça emmène quand même. Voilà. Hop. Nickel.
Je peux les vendre. Voilà. Est-ce que je vais les... Voilà. Je sais pas. Bon, bah, je pense qu'on va cesser là pour cet épisode. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao!